sommes chez Microsoft sur le stand de l'IFA et nous allons découvrir le Lumia 735 qui vient donc d'être officialisé par la marque. Xavier, est-ce qu'on peut déjà commencer par parler un petit peu du look du produit? Le Lumia 735 reprend le look qui a fait le succès des Lumia dès la première génération de Lumia 920 avec ce très beau design de coque en polycarbonate. Sur celui-là, on peut enlever la coque très facilement, la changer. Donc il vient avec quatre différentes couleurs, du vert, du orange, du gris anthracite et du blanc. Donc ça vous permettra d'accéder à la batterie et ça vous permettra de changer aussi la carte mémoire que vous pouvez mettre à l'intérieur. Petite nouveauté sur le design, les touches maintenant peuvent se cacher, ils ne sont plus des touches physiques dans le bas de l'écran. Voilà, c'est la petite nouveauté qui arrive avec Lumia de Nîmes, qui est la nouvelle version de Windows Phone 8.1, qui arrive avec ce produit et qui sera disponible pour les autres au cours du quatrième trimestre 2014. Ok, donc évoquer l'aspect fonctionnalité du terminal permet d'enchaîner effectivement sur les nouveautés en termes d'usage et d'outils du smartphone. Alors la grande nouveauté de ce téléphone, c'est d'avoir mis une superbe caméra en façade de 5 mégapixels qui va pouvoir avoir deux usages. L'usage de selfie pour prendre des photos, et on a développé une application qui s'appelle Lumia Selfie qui va me permettre de prendre des très belles images et ensuite de pouvoir les modifier un petit peu en fonction de l'usage. Donc si on prend un joli selfie de notre caméraman, on va pouvoir ensuite l'éditer, alors en faisant des petites... le visage n'est non détecté à cause de la caméra, donc c'est un mauvais exemple. Mais ensuite, on va pouvoir justement modifier son visage. Et l'autre usage de la caméra frontale, c'est les usages d'appels Skype, où ça va être de meilleure qualité pour pouvoir faire des appels Skype. Donc cette application Selfie, elle sera disponible sur le 735 et est-ce qu'elle sera disponible sur d'autres terminaux? Absolument, elle arrivera sur l'ensemble des terminaux de la gamme Lumia qui sont Windows Phone 8. Mais du coup, c'est renforcé sur le 735 par l'effort sur le capteur secondaire? Absolument. Ok, donc vous draguez les amateurs de selfie comme d'autres... Draguez les amateurs de selfie et puis vous pouvez imaginer qu'on puisse rajouter des filtres ou des choses comme ça ou des accessoires, des fonctions complémentaires. Alors ce terminal, il sera disponible quand en France et à quel prix? Comme son grand frère, il sera disponible entre la fin du mois de septembre, début octobre, et à 229€ sur le marché français. Donc un produit 4G vraiment très très abordable. Très bien, merci beaucoup. Au revoir.